Cet épisode est présenté par Bourré TV, le complexe Las Vegas, Manda Crea et Easy Market. Oh ouais, je voulais vivre dans le luxe, je ne savais pas. Quoi? Oui, je ne savais pas. Y'a quoi? Chégué. Il y a même quoi avec les bruits là, non? Ha! Oh wow. Hey, je suis en train de voir les gens assis là. Y'a même eu quoi? Au Cameroun, c'est une équation à plusieurs inconnues. Le statut de l'enseignant. Merde, les enseignants ont eu quoi? Le mouvement d'humeur en a trop supporté. Au mot d'ordre, Crémorte affiche toute la détermination des enseignants du secondaire à aller jusqu'au bout de leur logique de revendication. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Voilà, mais attends même que le journaliste explique, non? Équinoxe, à vous la parole. Si le gouvernement camerounais ne régularise pas leur situation professionnelle et paye tous leurs droits en attente depuis une dizaine d'années. Oh, pays! Je suis père! Ma Salamé, tu es au courant de cette grève? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. Maman, ça se voit. Une autre personne alors. Maman, tu as vu comment les enseignants grévaient? Que merde! Madonna amie! Et qui, la mère, ils partaient même dans quel sens? Ils étaient nombreux. J'ai compris seulement quand ça a pris le côté là. Quoi? J'ai compris seulement quand ça a pris le côté là. Mais la mère, tu parles même de quoi? Quand ça descendait, j'ai même mis les mains sur la tête comme ça. J'ai dit que oh, Seigneur, ça part où avec nous maintenant? Ça va encore aller nous écraser. La mère, tu parles même de quoi? J'ai compris seulement comment la voiture, quand le gros porteur venait. Non, la mère, on ne parle pas de l'accident, on parle plutôt de la grève des enseignants. Tu crois que les gens sont à la chute de. Je demande qui? Y'a quoi? Les mots me manquent. Non, la mère n'avait pas bien compris la question. C'est la magie. C'est vrai. J'ai dit à Sengo, as-tu vu un enseignant dans la rue? Ça me concerne pas. Hein? Ça me concerne pas parce que ça pourrait jamais me concerner. Bon, tu es même au début, non? Je te dis que. Bref, laissons tomber, on parle des enseignants aujourd'hui. La mère, dis-nous, qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Il faut motiver son employé dans n'importe quel secteur de travail pour que le rendement soit bon. Imaginez un peu. C'est vrai. Non, c'est vrai ce qu'elle dit. La mère, et le souci, c'est donc quoi? Mais vous vous rendez compte que, au fur et à mesure que le temps passe, les conditions de travail de l'enseignant deviennent de plus en plus difficiles. Vraiment, c'est malheureux. La mère, c'est vraiment malheureux. Et qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement? Nous proposons que, réellement, que les salaires soient revus à la hausse. Voilà. Ok, c'est compris. Mon frère, je demandais, votre problème la date depuis combien d'années? Le 27 février 2017. Maman. Mon frère, la façon dont tu bégayes là, présentez-vous d'abord. Nous sommes le collectif des enseignants indignés du Cameroun. Ok, c'est donc quoi votre problème? Nous sommes 20 000 professeurs de lycée en service dans les établissements de ce Cameroun. Là n'est pas le souci, je demande que le problème c'est quoi? Nous travaillons depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans salaire. Dans ce pays mon frère. C'est vrai. Non la mère, c'était en 2017 comme il a dit là. Je crois qu'on les paye déjà, sauf que le salaire est petit, c'est ça non? Oui. Vous aimez voir avec les yeux. Ok mon frère, qu'est-ce que tu demandes alors au gouvernement? Il est temps que l'enseignant soit respecté, qu'on nous paye, un point c'est tout. Les gens ils sont comme ça, soit ils veulent vous humilier, soit ils veulent vous salir, soit ils veulent détruire votre crédibilité. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Tu es promoteur culturel, tu es artiste et musicien, producteur ou réalisateur ou encore écrivain. Vous cherchez une belle salle pour présenter vos œuvres. Contactez rapidement les Las Vegas situés au niveau de Pont Emana à Messassi, derrière Amouba, à Yaoundé. Vous voulez organiser également vos événements tels que le mariage, le baptême, l'anniversaire ou d'autres événements. Contactez les Las Vegas pour la location de la salle. Une salle climatisée avec des jeux de lumière importés. Les Las Vegas met à votre disposition un didier, des couverts, un tapis rouge et des chaises royales. Les Las Vegas, c'est également l'hébergement, la restauration et un snap VIP pour vos divertissements. Contactez rapidement ce numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Je vous invite dès à présent à faire une tonnerre d'applaudissements pour ces enseignants qui passent des nuits blanches pour veiller à l'éducation de nos enfants. Non, c'est nonchalant. Plus fort. Quelqu'un peut applaudir là comme une vieille mère Bami? Sa tête ne. Oh.
que tu sois président, ministre, gouverneur ou homme d'affaires, respecte l'enseignant, car c'est lui la clé de ton succès. Ouais, ça c'est très bien. Cet épisode a été présenté par Bourri TV, le complexe Las Vegas, Manda Crea et Easy Market. S'abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.